Salut, c'est Tony, bienvenue sur Subnautica Below Zero pour une petite découverte. J'avais déjà fait une petite quartz zapping sur survie classique. Hein. J'ai déjà fait un petit quartz zapping sur le premier Subnautica qui était très très bon, que j'ai pas fini malheureusement, qu'il faudrait que je finisse. Et là, du coup, on se lance sur l'accès anticipé de Subnautica Below Zero. Moi, on m'a vendu, c'est Subnautica dans la neige. J'ai fait instant achat. Donc, on va voir ce que ça donne. Du peu que j'en ai vu, ça a l'air vachement cool. Et voilà. Quand le jeu sera terminé et qu'il sortira officiellement, on fera sans doute, très très sans doute, un let's play dessus. Et auparavant, je pense que j'aurais refait le premier en live. Donc voilà. Voilà un petit peu le planning, le programme et tout ça. Évidemment. Chargement de la Research Base. Ah, donc les petits temps de chargement classiques hein, qui sont un poil long, vu que c'est une. Bon, après, c'est une accès anticipé, on en veut pas. Hein. Il y a des mises à jour assez régulièrement de ce que j'ai vu. Et on va voir, j'ai hâte de voir ça. Bon, ça risque d'être très long. Ah, ça a freeze. Ah non, c'est bon. Je vais me dire, heureusement qu'il n'y a pas ma tête, parce que sinon on se fixerait dans le blanc des yeux pendant longtemps. Donc ouais, le peu que j'ai vu de Subnautica, j'ai vu que là, il y a de ce que me disait un Gandalf, ils ont rejeté un nouveau Léviathan apparemment, récemment. J'ai pas vu de quoi il en retournait. J'ai pas vu lequel c'était. J'ai pas vu à quoi ça ressemblait non plus. Donc bon, on va voir. Après, j'ai tout ce qu'est-ce que j'ai vu. J'ai vu les pingouins, espèce de pingouin avec l'énorme bouche là, qui ont l'air marrants. En vrai, eux, ils ont l'air drôles. Ça serait drôle si on puisse, ça serait drôle qu'on puisse les tamer, les pets. Ça serait vraiment, vraiment, vraiment drôle. Pour le coup, là, ça serait. On est à un niveau Skyrim sur 20, là, temps de chargement là. Il est bloqué. C'est quoi ce chargement de l'enfer? Oh yes! Appuyez sur n'importe quelle touche pour continuer. Monde Inconnu Entertainment présente. Voilà. Oh, on a déjà une base toute prête. Le téléphone. Incoming, Sam Goodwall. Goodwall. D'accord, ça me disait appuyer sur table pour ouvrir, mais ça me l'a déjà ouvert. Donc bon. Ah. I repeat, immediate evacuation of sector 0. Pourquoi je peux pas avancer? D'accord, ça a pas pris en compte mes modifications de touches. Yes. Clavier. Avancer. Pourquoi c'est encore sur W? Voilà. De Meteor Storm. Et pareil, j'étais en français. Dans 10 minutes. On évacue. Voilà. Ok. Pas besoin de prendre les affaires ou quoi. Un petit PDA. Pourquoi, attendez, pourquoi mon jeu est pas en français? Traduction FR est pas encore complète ou. Possible que là. C'est possible, hein. Ah bah je la vois même pas là. Bah là c'est en français, ouais, les dialogues sont pas encore en français, donc, allez, donc ça va être ça. Donc ça a l'air d'être notre personnage avec les petits pingouins. Oh, ah, oh, ça promet d'envoyer du lourd. Soute. Oh, mais c'est trop bien cet endroit. Il est trop, trop bien. Il faut qu'on sorte, c'est ça?
Là, j'ai encore aucun item. C'est quoi mes objectifs? Ouais. Alors attends. Meteor Storm. Dans 10 minutes. Jeff, est-ce que tu lis? 37 wake up command. Timing sub, evacuating. Ok, donc il faut que j'aille à l'entrée de la cave. Alors, où est l'entrée de la cave? C'est la vraie question. Je suis en train de geler, non? J'ai l'impression. Ah, je suis complètement en train de me geler. En même temps, vu comment je suis sorti... La cave, c'est là, là. Qui suis-je en train de faire? Ah, merde, peut-être que je rentre, là. Ah, merde, Destroy Snowman, c'est pas ce que je voulais faire. Oh. La cave est là-bas. Ah merde. Ah je peux ouvrir de là, pourquoi? Ah j'ai fait le con. Wouah. Ok. J'ai raté du matos. Oui, encore un PDA. Là, je peux pas entrer. Ok, là, il y a un truc de flotte. Ok, donc 100% des items sont pas utilisables. Un truc que j'ai oublié, en fait, ou... Genre, juste comme un couillon, il y a un... Du coup, je sais même pas si on est sur la même planète que le premier jeu. Je pense, hein, vu la gueule des... Là, on en retrouve les peepers, le one eye, les sacs à foutre et les boomerangs. Donc, normalement. Ok. Non, mais faut bien que j'aille dehors. Hein. On avait vu, il y a une espèce d'entrée de cave là à gauche, on va aller voir ça. Le problème, c'est que j'ai pas l'air d'avoir de combinaison chauffante, thermique ou quoi que ce soit, donc ça a l'air... Ça, c'est Neptune à droite, là. Oh. Oh, il y a un autre truc là-haut, là. Bonjour. Ah, ça me réchauffe, trop bien. Gentille plante. Très gentil de ta part. C'est des espèces de tournesols vivants, ça. C'est des bestioles bien sympathiques. C'est très très gentil de me réchauffer. J'imagine ils ont dû installer la base là à cause de justement parce qu'il y avait ça. J'approche du site de recherche. On dirait que... Hein. Ok, il y a le tracker au GPS de Jeff, mais aucun signe de lui. Je sois prudence. Oh, c'est super beau, la vache. Et une fois fini, ça sera encore plus magnifique. Jeff. Ok, j'ai pas le temps de suivre, en fait. Who am I speaking to? Attends. Hein? Jeff, Yevov. Jeff woke me up. Now Jeff is gone. Ok, Jeff m'a réveillé, maintenant il est parti. Ok. Et après quoi, il a réveillé un putain d'alien ce con? J'ai pas de tablette. Attends, quoi? Ça va trop vite. Oh, ça va trop vite.
Attends. Alors, Warning Sanctuary Power Low, donc le pouvoir de la puissance est basse. Alien Facility Damage Sustained, Things Shaked, Debris Meteor Strike, Maintain Overhead. Please go to the escape ship, d'accord. Ok, donc là on doit aller au Neptune. Ok, si je vais par là. Ok, non, c'est un cul-de-sac. Et j'imagine, si c'est un peu plus élevé là, qu'on pourrait aller là avec une espèce de, je sais pas, grappin, jetpack, un truc du genre. Donc là, on doit retourner au Neptune. Enfin, je crois que ça s'appelle le Neptune, je me souviens plus. Dans le premier jeu, c'était comme ça que ça s'appelait le pote de. Oh la vache! Ah. Ouais, je passe encore par là ou c'est baisé? Ah, je dois passer par là, ok. Oh la vache! Ça, c'est beau, ça. S'ils implémentent des chutes de météorites aléatoires ou, tu sais, de temps en temps, ça serait vraiment cool. C'est super génial. Quoi? Attends, il disait quoi? Je peux voir ce que je peux faire pour elle. Make une forme de base. Peut-être ma best shelter now. Ok, donc ouais. Ah, il faut que je me grouille, je suis en train de geler. Ok, donc il faut qu'on retourne à la base. Ok, donc il y a quelque chose qui s'est barré avec notre vaisseau. C'est d'une praticité. Oh la vache! Oh! Donc moi je suis en train de mourir de froid là. Oh la vache! Oula! Oh merde! Ah, oh, c'était très impressionnant! Your environment is no longer safe, and your PDA has rebooted in emergency mode. Be advised, remaining above ground will result in lethal exposure. Eh, hey, là, il y a de la voix, d'accord. Oh, ouais, l'avalanche, c'était magnifique! C'était vraiment super bien fait! Enfin, c'était impressionnant. Plus que bien fait, c'était impressionnant. Oxygen. Ouais, je sais. Ah, du titane. Ça faisait longtemps, tu vois. Notre premier titane. Ah, ouais. Oh, et là, on arrive dans le jeu, vraiment. Ah, oh, trop bien. Alors, le jeu ramouille encore un peu, mais c'est normal. C'est une... Une accès anticipé. Un copier mon guest. Dropping life pod. D'accord. Ah, d'accord, en fait, Sam, elle doit être dans le vaisseau au-dessus. Ah, on a perdu le contact. Là, la station est là-haut, là. Et ça me largue le pod. Avec les copains, les pingouins. Attends, ça va leur tomber sur la gueule, aux pingouins. Oh, putain, je me suis fait peur en tombant dans l'eau. Ah, où les pingouins? Comment je monte? Où les pingouins? Je peux les ramasser. Bonjour. Mais c'est qui le pingouin? Aïe! Non, t'inquiète, je te le laisse.
Oula, 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 oula. Allez-y, pingouin. Allez, pingouin. Putain. Ok, donc tu... Mais connasse, mon lifepod il a coulé. Ah non, c'est fait exprès, d'accord. Ah, en fait, je m'attendais à un lifepod comme dans le premier, quoi, le truc qui flotte. Où est l'entrée? L'entrée est là. Entre dans la base. Ah, donc on a le petit. Félicitations d'avoir survécu à l'ex. Enfin, à la truc. Ouais, donc là j'ai un stockage, je peux fabriquer la nourriture. Ouais, bon, ça c'est comme dans le premier, ça, y'a pas de. Good luck! Maille de fibre, caoutchouc de silicone, le verre, le fil de cuivre, les piles, oxygène, palme, kit de soins, les outils, les trucs de base. Scanner, il va falloir faire ça assez rapidement. Ah, attends, scanner, ça c'est le premier truc qu'on va faire. Donc il faut une pile, comment fabriquer une pile? Il va falloir du cuivre et des ribbons de plantes. Mes ribbons de plantes, je crois que je ramasse ça. Comment j'ai mis ça là-haut? Attends, comment j'ai mis ça là-haut? Parce que je veux faire ça aussi. Oh, c'est trop bien! Oula, ta gueule. C'est trop bien! Si tu fais clic droit, ça t'affiche les recettes dont est-ce que t'as besoin en haut à droite. C'est trop bien! Caoutchouc en silicone. Oh là 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 là, mais c'est tellement bien! Et apparemment, on a un truc à aller voir là-bas. Oh là, je crois que c'était une tentacule ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Et puis, le pochon! Le pochon! Oh, pochon! Stan. Ok, donc il va falloir que je ramasse ça. Comment je ramasse ça? Attends, je suis bien obligé de commencer par ça si je veux. Oxygen. Merde. Oh, ça va être trop bien. Une fois fini, il va être génial. Genre vraiment génial. Par contre. Oh 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 oh, là ça m'intéresse. Yes. Ok, on peut faire la pile. On peut faire la pile et du coup on peut faire le scanner. Attends, il est où mon pod par contre? Ah, il est là. Il est pas noté mon pod. Ah. Par contre, s'il n'y a pas de balise sur le pod, je vais être baisé très vite. Ok, comment je le retire du coup? J'imagine qu'il faut que je retourne sur pile. Ok, que je fasse clic droit. D'accord, d'accord. Désamage, je peux faire du verre, mais là je m'en fous. Alimentation, on va se faire un pochon cuit. Outils, et on va se faire le scanner. Très important le scanner. Meilleur outil du jeu. Et je vais me faire une lampe torche. Donc pour ça, du coup j'ai ce qu'il faut pour faire le verre. Mais il faut que je me remette ce qu'il me faut pour faire une pile. Voilà. Ok, alors maintenant qu'on a le scanner, mon inventaire. On va le manger. Et on va poser. Ah, au moins il y a de la place. Dans le premier storage, j'avais pas de place. Je me souviens, c'était assez chiant. Et on va aller voir. On va aller voir ce qu'on a là-bas. Donner sur les affleurements calcaires. J'ai récupéré du cuivre. On a du titane. Ah. Ce genre de jeu m'avait manqué. Ah putain, et là on arrive sous la glace. Ah ouais, donc il va vraiment falloir faire gaffe avec la glace et tout ça.
pour pas qu'on se baise. Pour pas qu'on se baise, ouais. Du sel. Ah, vous entendez ça? Oh! C'est quoi ça? Un singe de mer. Oh non non non! Eh, rends-moi ça! Rends-moi ça, enculé! Il est où? Enculé, 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 rends-moi ça! Oxygen. Mais rends-moi ça! Mais salaud! Ok, attends, je vais revenir. Rends-moi ça, bâtard! Il est où? Rends-moi ça! Il est où? Hein? Il me l'a cassé? Aïe! Il me fait attaquer par quoi? Ah putain, mon scanner, il est là. Mais quel enculé, ce machin! Mais va chier! Va chier, va chier! Laisse-moi tranquille! Nickel, donc ils ont rajouté un mob qui vole l'inventaire. Bon bah ça va être une partie de plaisir, ça tient. Une vraie partie de plaisir. Yes! Ok, donc j'ai les graines. On va rentrer pour pour fabriquer le couteau. En espérant que cet enculé de singe des mers à la con ne vienne pas m'emmerder. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oxygen. Ah, ils grêlent. Ah, oh, trop bien, ils ont fait. Ah, ils ont fait des petits tire-bombs et tout. Oh, c'est trop bien. Ah, le jeu est encore un peu moche, mais quand il sera graphiquement abouti... En fait, non, il est pas moche, certaines textures sont super bien développées, comme voilà la base, truc comme ça. Mais ouais, les textures seront améliorées, et quand ça sera ça, mais il sera magnifique. Hop, là, on a le couteau, enfin. Et je vais aller chercher... Ah ouais, non, attends. Je vais sortir de là. On va refaire un caoutchouc en silicone. Je vais en refaire. Je vais en faire plein, en fait. Comme ça, j'aurai ce qu'il faut. Et le quartz, on va le garder sous cette forme-là. Non, donc le couteau, attendez, je peux le retirer de mes trucs. La pile, il va me falloir cuivre et... Ah, ok. Attends, mais ça, cuivre et vert, j'ai. Cuivre, j'ai dit cuivre et... Non, vert. Il va me manquer... Ok, l'espèce de vigne. Oui, c'est un couteau. Manquer les espèces de vignes. Je l'avais trouvé complètement par hasard. Putain, attends, de sacré bruit en tout cas. Hein. Il y a tout ça là, c'est pas les espèces de morceaux du gros Léviathan qui est dans le premier. Oxygen. Bah je remonte 5 secondes. Hop là. Oh, y'a un truc là-bas. Y'a une grosse bouboule là-bas. Oh, ça sent la trappe couillon, ça. Ça sent la plante à trappe couillon. Ah non, oxygène plante. Oh, trop bien! Allez, j'imagine qu'elle se régène avec le temps. Oh.
trop bien. Oh la vache! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vénère. Ah, les mini-cailloux. Attendez, les mini-cailloux. Ça m'a vu ou pas? Oula, oula. Ah, ça m'a vu, oui. Ah, ça m'a vu, oui. Brute shark. Ah ouais, ouais, il m'a même carrément vu, ouais. Ah là 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 là. Ah, est-ce qu'on va déjà mourir? Eh merde. J'ai perdu quelques objets. Ouais, j'étais trop greedy. Quelques... Ouais, ça va, j'ai pas perdu. En vrai, ce qui m'inquiétait de perdre, c'était surtout ça, en fait, mais... Bon bah écoutez, voilà, on va se laisser là pour cette petite découverte. Pour les bases de Subnautica. Et on se retrouvera bah, très certainement sur Subnautica 1 pour un petit live. Quelques lives même. Et Subnautica Below Zero pour un let's play. Je vous fais des gros bisous à tous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.